On va vous montrer aujourd'hui comment assembler votre Tawashi. tawashi. Merci. Donc, vous avez fini de tricoter, vous avez bien fait, vous avez bien défait votre ou rabattu, excusez. Vous avez rabattu vos dernières mailles. Donc, on est prête à venir assembler notre tawashi. Donc, on va plier ça comme ça. C'est pas vrai. Comme ça. Et comme ça. Donc, c'est vos deux débuts. Votre début puis votre fin. Comme ça ici. Fait que ça, c'est votre début, puis ça, c'est votre fin. Donc, on vient joindre ça ensemble. Comme ça. Ici. On va enfiler notre aiguille. Comme ça ici. Donc là, vous avez votre bout, puis ici, on va bien venir chercher votre début là, de rang qui est ici. Il faut qu'on le voit bien. Vous voyez? Juste ici. Donc, on vient juste venir se mettre vraiment dans le coin comme ça. Que comme vous aurez peut-être compris, mais je vais vous le spécifier, quand vous allez rabattre, gardez-vous une longueur de fil pour être capable de venir faire votre couture. Donc, on va travailler d'un côté à l'autre en alternance. On va venir travailler avec nos petits V ici, là. Comme ça. Donc, on commence au coin ici. On passe en dessous du V. On vient de l'autre côté. On alterne de l'autre côté comme ça. C'est bien important de faire ça au-dessus pour que ça s'en aille à l'intérieur. Même chose ici. On s'en vient toujours à côté. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai pas serré ma laine là, pour juste vous montrer. Fait que là, je suis venue le dernier coup prendre ces deux pattes de maille-là. Alors là, je viens au suivant ici. Comme ça. Même chose. Je passe ici. On s'en vient. Comme ça. Donc, je vais en faire quelques-uns, puis je vais vous montrer là, après celui-ci. On vient serrer nos mailles comme ça. Fait que ça fait vraiment comme si ça avait été tricoté. Donc, je continue, puis je vais vous montrer le final après. On finit notre couture jusqu'au bout. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait. C'est très beau. Ça paraît même pas. Donc, la couture est toute ici. Beau travail. Merci. Donc, après ça, j'espère que je vais avoir assez de fil. On va venir fermer pour faire le tampon. Là, c'est vraiment pas compliqué. Vous venez comme faufiler. Pas toutes les mailles, mais là, vous voyez, j'ai une maille ici. Je vais passer celle-là. Je m'en viens ici. Là, je pense sincèrement que je vais manquer de fil. Non, on continue, tu vas Donc, tirer. peut-être, c'est ça, vous prévoir plus de fil là, pour faire votre couture puis pour venir finir. Tire un peu sur ton fil de toute façon, comme ça. Donc, on se rend jusqu'à la fin où on rejoint le bout qu'on a commencé, là, qui est ici. Je vais juste repasser mon fil comme ça. Puis on tire. Faut vraiment pas, là, essayer le plus possible qu'il n'y ait pas de trou.
Puis on va venir rentrer le fil là. Je suis en train de tirer sur ma couture. Donc, ce qui reste à faire avec ce bout-là après, c'est de rentrer le fil pour pas que ça se défasse. Fait que je vais faire un petit nœud juste comme ça pour le bloquer. Puis après, j'ai rentré mon fil. Là, allez-y, n'importe comment, ça va être à l'intérieur. Puis vous pouvez même laisser votre bout de fil ici. Voyez, ça aurait pu être serré encore un peu plus. Mais au pire, avec un fil à la fin, vous venez reprendre. Ouais, c'est ça pour fermer. Donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on y va toujours en faufilant. Plus on y va sur le bord, plus on va être capable de faire un rond là, rempli. Il reste pas d'espace. Donc, après qu'on ait fini, on va venir, comme on ne peut pas rentrer notre fil par l'intérieur, il faut bien venir rentrer par ici. Fait qu'on va faire le tour là, encore une autre fois. Voilà. Là, je vais passer ça de l'autre côté. C'est ça, vous voyez la différence? Là, celui-là, je l'ai pris beaucoup plus sur le bord. Là, donc, moins profond, là, plus près de la couture au départ. Fait qu'on, il est plus beau. Mais avec le même fil, tu peux venir resserrer ici. Oui, c'est ça. Si ça vous arrive... On peut le dire, là, c'est un peu du pas du n'importe quoi, mais on il n'y a pas de technique. Non, c'est ça. Fait que là, vous voyez, je l'ai resserré. Là, je vais passer une autre fois ici. Puis je vais venir finir avec un nœud. Je vous montre ça. Donc, j'ai piqué. Je vais juste enlever mon long fil là, pour que vous voyez comme ça. Là, j'ai ma loupe ici de ma couture et je repasse dedans. Voilà. Puis, je vous conseille un deuxième coup. J'ai ma loupe, je passe mon aiguille dedans et voilà. Voilà.